Salut à tous les amis, c'est Jean-Jean Cash, j'espère que vous allez bien. Voilà la question que je vous avais posée dans la vidéo précédente. Quel était le dernier changement sur l'YZF? En fait, c'était le pignon de sortie de boîte. Alors là-dessus, je voulais vous faire gagner des autocollants. Si vous me répondiez à la bonne réponse, en fait. Et il y a Stéphane 80 et Karine, et en fait, qu'ils ont gagné. Voilà, ils ont gagné les autocollants Studcast. Merci de me rejoindre sur mon compte TikTok et on parle en MP, comme ça vous pourrez me donner vos coordonnées. 2-2, voilà pour les gagnants, hein, Stéphane 80 et Karine. Et une autre chose aussi, je voulais rectifier une chose avec mon amie Mélanie. Son compte TikTok c'est Mela Equibike Vincent. Voilà, Vincent, pour pas vous tromper. Et je fais un petit bonjour aussi à GG, son ami. Voilà les potes, aujourd'hui je vous présente un GSXF 750, vous allez voir, elle est propre. Voilà, ça me fait plaisir, ça me tient à cœur de la faire. Voilà les amis. Alors les potes, on est sur une rareté, hein, GSXF 750, hein, 2004. Vous voyez. Assez propre hein, quand même pour l'année. Voilà. Alors on est sur, comme je vous dis, on est sur un Suzuki GSXF 750 de 2004. Le cadre, c'est un double berceau tubulaire en acier. Après, vous verrez pas grand-chose avec le carénage. Hein. Voilà. Le réservoir, il contient 20 litres. Le poids sec, elle fait 211 kg. Le travaillement, on est sur une fourche téléhydraulique de 41 mm, deux disques 290 mm, étrier deux pistons. Voilà. La jambe, c'est du 17 pouces. On va passer sur l'arrière. On est sur un mono-amortisseur. Bon, il est là-bas caché, hein, vous voyez. On est sur un mono-amortisseur, un disque 240 mm, étrier deux pistons. La roue arrière, pareil, du 17 pouces. Hein. On va passer une partie moteur. On est sur une boîte 6 rapports, 4 cylindres en ligne, 4 temps. Refroidissement combiné air et huile. Hein. Bon, comme le GSXR des années 92. Hein. On va pas dire que c'est quasi le même moteur, mais presque. Il y a 4 carbus de 36 mm dessus. Bon, là, ils sont là, hein, cachés derrière le carénage. Voilà. Elle a 4 soupapes par cylindre. Elle fait 93 chevaux à 10 500 tours minute et la vitesse max elle prend 215. Voilà les amis. Alors on est sur une cartouche Yoshimura, hein. Je pense que c'est pas le 4 en 1, je crois pas. Hein. Voilà, à l'ancienne. On est encore aussi sur un robinet à essence, hein, vous voyez. Voilà, c'est l'époque. On va passer sur le tableau de bord, hein. Vous voyez, à l'ancienne, hein, les clignots. Bon, le démarrage, vous connaissez ici, hein. Les clignots, les appels de fer, les phares, le klaxon, le starter à la main manuel, hein, vous voyez. Voilà, compteur contour, l'essence. Vous voyez, tableau de bord basique. Hein. Mais je voulais vous la faire, voilà. C'est une mémère. Hein. Je vais vous la mettre en route. Oh, ça va, là, un beau bruit. Allez, vous les potes, je vous la démarre. Elle est un peu froide. Thank you.
dit, l'essence ne doit pas être ouverte. Bon, les petits potes, hein, les fêtes, ils approchent. Hein, n'oubliez pas ici la quota, hein, les 10% sur les accessoires jusqu'au 2 janvier. Je vous dis à la prochaine, c'était Jean-Justin Cast, ciao.